Moi, les bâtiments point de vue esthétique, déjà, j'aime pas trop. Je les trouve trop rapprochés les uns des autres, il n'y a pas assez d'espace. Donc, ils sont obligés de mettre des palissades dans leur terrasse, on va dire, pour limiter le vis-à-vis. Donc, déjà, ça, c'est désagréable. Les palissades, c'est moche. Moi, je ne trouve pas ça très esthétique. Moi-même, j'y habiterai pas. Peut-être si ça aménageait différemment, ça pourrait être sympa, mais pour le moment, non. Ce qui me choque quand j'ai vu les autres bâtiments aussi, c'est que chacun fait un peu individuel de faire ce qu'il veut. Donc il y en a un qui met par exemple un grillage, l'autre il a mis des morceaux de bois. Donc c'est vrai que chacun mélange un peu le style et c'est vrai que ça casse un peu le style du bâtiment. Il faudrait que tout le monde adopte le même principe. Aussi bien mettre des stores, que tout le monde mette des stores les mêmes, qu'il n'y en a pas un qui mette orange, que l'autre qui mette jaune. Pour que ça reste dans le même style quoi, du bâtiment. Du coup, réglementé quoi. Voilà, réglementé, oui. Ça ressemble plus à un quartier où il y a des maisons autour, quoi, plutôt que des grands ensembles d'immeubles. Voilà. C'est quoi dans la forme pour vous qui fait un peu le lien avec les maisons? Ça ressemblait un petit peu à des maisons, en fait. Il y en avait qui avaient des toits un petit peu en pente, voilà. Les terrasses aussi, c'était très agréable, ça, de voir des terrasses. C'est plus ouvert, c'est plus grand, c'est plus spacieux. On a l'impression de mieux vivre, de voir le ciel, de voir un petit peu les bâtiments aux alentours. C'est vrai que si on se met sur le balcon, on peut regarder déjà un peu le ciel, on peut regarder les autres bâtiments. Par rapport au premier que l'on a vu, il est quand même plus aéré. C'est pas très haut, donc c'est du R+4. Le Clos des Fleurs, je trouve que des immeubles en ville, c'est pas choquant, hein, et qu'au contraire, on peut y être très bien. Les formes paraissent assez agréables, et je pense que si les appartements sont bien faits, ça doit être un endroit assez agréable à vivre. Je trouve bien. Ça me plaît pour un centre-ville. C'est quoi qui vous plaît dans ces immeubles? L'architecture est assez belle, il y a de la vue quand même. Ce sont des immeubles où on a un appartement qui est distinct du voisin, c'est important aussi. Par rapport à ce qu'on a vu à rue Blanche-Monnier, où il y a des coursives qui relient les appartements les uns aux autres, je trouve pas ça très agréable. Je vois pas des bâtiments comme ça à Robespierre. Ah non, ça c'est sûr. Ça correspond pas au problème de Robespierre à Fontaine, qui est proche de villas, qui est dans un environnement où il faut pas des immeubles hauts, parce que ça serait choquant et ça s'intégrerait pas très bien, voilà. Et dans la forme des immeubles, du coup, vous imaginez quoi pour que ça s'adapte bien? Je pense qu'il faut faire un amalgame d'un peu tout ce qu'on a vu. Il faut faire peut-être des immeubles de différentes tailles. Comme ici. Mais en étage plus bas, on va dire. Disons que là, c'est un côté assez moderne, qui n'est pas forcément souhaitable dans notre quartier, enfin, au niveau des formes. Ça ne dérangerait pas plus que ça. Oui. D'accord. Moi, je sais que ça ne dérangerait pas plus. Bon. Je suis en maison aussi, mais je pense que voir des bâtiments sortir comme ça, ça pourrait être un peu plus gai, on va dire. Bon, je dirais comme architecture, ils ont bien respecté, c'est assez coquet. Et en même temps, contrairement à ce qu'on a visité sur Vigny-Musset, bon, ben, il y a quand même, c'est une place, quoi. Il y a de la place, c'est pour dire. Hein. Il ne faut pas que ça dépasse le R+5, quoi, parce que... et encore, ce qui est vilain, c'est quand vous avez une tour, si vous voulez, parce que c'est du R+5 qui est en allongé ou en carré un peu plus large, eh bien, ça choque moins. Et si c'est comme ici, vous voyez, avec de la place, si on fait R+5, hein, eh bien, c'est pas trop criant. Pour les yeux, c'est plus agréable, quand même. Là, j'ai peur aussi que, comme c'est avec du bois, c'est avec des matériaux, ça vieillisse mal, quoi. Comme là, on voit déjà qu'il y a des fleurs qui poussent sur le mur. Alors qu'ils viennent de le construire, quoi. Ça fait pas... Il doit avoir un an. Avec le temps, ça se dégrade et on n'a plus la même isolation, on n'a plus le bien-être qu'on avait avant, quoi. Je trouve comme si on avait pris des allumettes et qu'on avait collé les unes à côté des autres pour faire une maison, quoi. Ça me donne la même impression.
Parce que quand on regarde bien, c'est tous des morceaux de bois comme ça et qu'on a mis dans l'autre sens. C'est pour ça, ça me fait plus penser à un bâtiment qui est monté avec des allumettes. Je trouve que le bois vieillit mal. Et quand c'est des grandes surfaces, en fait, c'est beaucoup d'entretien et c'est des frais aussi, parce que s'il faut l'azurer, c'est du bois donc autoprotégé, ok, mais s'il faut l'azurer, alors je peux faire un revêtement donc qui soit quand même moins onéreux. En revanche, c'est vrai que si au niveau de l'isolation, il y a du bien de ce côté-là, ce qui nous a été dit, alors on économise d'un côté et c'est très bien, mais par contre, j'ai peur pour les façades qui coûteront un peu plus cher. Le bois, ça vieillit trop mal. Nous, on est tous d'accord, je crois. Ouais, on est pas mal à être d'accord. Oui. Je trouve que c'est trop grillagé. Ça fait un peu prison, je trouve. J'ai l'impression qu'ils se protègent de l'extérieur et qui veulent être tranquilles, enfermés chez eux, pour pas qu'on vienne les déranger, en fait. Vous imagineriez habiter ici ou... Ah non, pas du tout. Autant de l'autre côté, que c'est beaucoup plus ouvert, c'est plus spacieux, ça me donnerait plus envie, que là, je trouve que ça fait blocos un peu. Je vois pas pourquoi il y a toutes ces grilles. Est-ce que c'est un quartier tranquille le soir? C'est la question que je me pose. Comme c'était dans le premier quartier, ça m'a bien plu. Ils étaient plus en sécurité aussi, le fait de mettre des portillons en fer, quoi, voilà, des portes. Et donc au niveau des espaces publics, un peu des espaces résidentiels, il y a ce petit carré d'herbe là, et donc vous en pensez quoi? Ben écoutez, ce que j'en pense, c'est bien, mais il est difficile d'accès, aussi bien pour les habitants de ces immeubles, que y compris des citoyens de Fontenoy qui voudraient en bénéficier, quoi. Il y avait aussi des locaux à vélo, là, collectifs. C'est intéressant, mais il faudrait que ce soit fermé. Parce que c'est vrai que les gens, quand on passe, comme là on passe, on voit qu'il y a des vélos, il y a des poussettes, des gens ils laissent traîner des choses. Ça fait pas propre, je trouve. Pour pas inciter les gens à dire « Ah, il y a quelque chose qui m'intéresse », à inciter les gens à les dégrader, quoi. C'est un plus pour ceux qui ont des vélos. Moi, je préférerais que chacun ait son garage ou sa cave et que chacun entretient un stock dedans. Il manque quand même peut-être des jeux pour les enfants, des bassins, des trucs comme ça. Des espaces bien précis pour promener l'animal. Bon, c'est la première fois du coup qu'on voit un peu plus des jeux pour enfants. Voilà, c'est ce qui est important pour mettre dans le quartier aussi. Parce que s'il n'y a que des immeubles et qu'il n'y a rien pour les enfants... Ici, on a le City Park et les coins pour se reposer, alors que je dirais à l'île verte, c'est un peu ce qui manquait. Ça m'emballe pas bien. Avec la densité des feuillages et tout ça, et j'ai l'impression que ça maintient l'humidité. De ce côté, c'est plus aéré parce qu'il y a le soleil qui tape. Et c'est là où il y en a le moins. La végétation, je trouve ça sympa. Ça donne un peu plus de cachet, on va dire. Ah bah oui. Et le sol en goudron, comme ça? Oui, au ravillon, au goudron, je trouve que c'est pas mal. Ça fait propre. Ah. Avec l'air, vaut mieux du goudron que de la pelouse. Hein. Ouais. Du coup, la pelouse, par contre, ça peut faire un peu plus naturel. Quoi. Voilà. Là, c'est bétonné, quoi. Il pourrait y avoir plus de pelouse et un petit chemin, vu qu'il n'y a pas de voiture qui passe. Et le côté de la verdure, comme ça, au sol, vous en... Je trouve que c'est joli, c'est bien, ça fait joli. On croirait comme si on est dans un jardin, qu'on allait pique-niquer.
il n'y a pas des grands arbres comme il y avait sur l'autre. Il y a moins de ça fait moins froid, moins humide. C'est effectivement parce que s'il y a de la végétation, c'est toute la végétation qui est basse, si vous voulez. Donc, au contraire, ça embellit, ça fait donc de l'oxygène et en même temps. Aussi, c'est plus large, donc on a cette impression de mieux respirer, je dirais, le quartier. C'est bien d'avoir des ouvertures comme ça. Ouais. Sur les sols, vous aimez mettre des choses un peu non, plus bétonnées. Non, moi je préférerais plus de verdure. Plus agréable ouais, que du béton. Là, c'est plus passage. Plus, voilà. Je pense que ce qui manque, c'est des jets d'eau, un petit bassin, de l'eau. Il manque de l'eau, quoi. Il y a cette trame verte, mais il n'y a pas la trame bleue, quoi. Enfin, ce qu'on dit, de l'eau, quoi. Ne serait-ce qu'un petit jet d'eau, vous voyez, une petite fontaine. Pour les passages piétons, c'est bien. C'est une chose qui est bien. Au moins, les gens ils peuvent venir à pied. C'est vrai qu'avec la poussette, il n'y a pas de voitures ou des mobilettes qui puissent nuire un peu à la tranquillité, c'est bien. Ce qui m'a bien attiré, c'est que là, les véhicules restent en dehors par rapport aux immeubles. Hein. Donc, ça ne sera que de la population piéton ou alors des cyclistes qui rentreront dans les immeubles. Et les voitures accéderont par l'extérieur, au niveau des garages. Voilà.